here. Bonjour tout le monde. Bonjour, 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 bonjour. Mataba, ma grande soeur, bisous. Céline Adjei, bonjour. Céline Dodji, bonjour. Rachel, bonjour. Adrienne, bonjour. Santé, santé, santé. Alerte, alerte, alerte. Alerte. Elena, bonjour. Bakoyon, bonjour. Quadio, Fulgence, bonjour. Eunu, Abou, bonjour. Oh, là, je suis pas trop en forme. Oh. Mon internet aussi déconne, il veut pas jouer de musique, ça m'énerve. Me donner un peu le truc, ça va me réveiller. Il veut pas. Chante tout de wow wow wow. Ouais, c'est quoi ça? La wow wow wow. Nadège Blé, bonjour. Benito Ben, bonjour. Bon, aujourd'hui, dans mon internet, je sais pas. J'espère que ça va me tenir avec ici, hein, parce que sinon... Bonjour tout le monde. Bonjour la Côte d'Ivoire. Bonjour mes chers compatriotes. On est des faits sérieux. Ici, Jessan Lounazier Christelle. J'ai dit, oh, vous là, vous abonnez plus sur ma page, pourquoi? Vous venez me regarder chaque matin, mais vous ne vous abonnez pas, c'est pourquoi? Je vais commencer à vous mettre des amendes. Hein? Voilà. Allez là, c'est encore gratuit. Allez-y, vous abonner s'il vous plaît. Sinon, vous allez payer demain, je vous préviens. Tanti Lourion dit quoi? Hein? Tanti Lourion veut crier fort. Marie-Ange, bonjour. Tanti veut crier fort sur nous. Et à Tanti Lourion, pas nous fatiguer. Hein? Et à pardon, c'est pas à cause de toi que tu es trop au pouvoir. Pardon, pas nous fatiguer. Voilà. Ouais, c'est pas dans quel coup t'as donné. Toi, tu viens crier dans l'oreille des gens. On va écouter sa vidéo et puis on va argumenter bout par bout. D'abord même, je vais dire quelque chose avant qu'on ne commence la vidéo. Je vais pas durer. Lagostine Kofi, bonjour. Martine, bonjour. J. Erin, bonjour. Maman, Odette Lourignon, toi, tu peux crier fort dans Côte d'Ivoire. Ou bien tu fais esprit. Hein? Toi, Odette Lourignon, toi, tu peux crier fort dans le pays-là. Tu es sûr. Tu es sûr que tu peux crier fort dans le pays-là. La même, on t'a vu. Hein? Tu as compris? On t'a vu. Bon, moi, je vais vous poser une question même. J'ai dit, oh. Vos nouveaux partis, vous allez faire là-haut. C'est contre quelqu'un vous partez faire votre nouveau parti là-haut, ben y a quoi? Mais depuis quand même, on crée parti, même, et puis on dit aux gens, si vous ne voulez pas rentrer dedans, allez-y. Mais attends, j'ai dit, oh, vous vous prenez pour qui au FPI là-bas? Vous vous prenez pour qui au FPI là-bas? Vous pensez que vous êtes le propriétaire de la Côte d'Ivoire? Regarde! Votre FPI, quand c'est venu au pouvoir, là, c'est nous les cracos, là, on vous a fait venir au pouvoir. Vous,
pensez que la Côte d'Ivoire, c'est vos salons, c'est vos maisons que vous louez personnellement. La Côte d'Ivoire, ça vous appartient, ça nous appartient. Autant où vous avez tous les droits en Côte d'Ivoire, mais on a aussi des droits comme vous. D'où vient qu'on crée un parti et puis on menace, on crie. Si tu n'es pas dans mon parti, c'est que tu n'es pas le bienvenu. Mais vous pensez qu'il y a quoi même? Vous êtes un des FPI là. Vous pensez qu'il se passe quoi? Ça dit, ce qui me fait rire, c'est que vous... Ce que vous dites dans vos salons entre vous là, vous sortez ça dehors. Vous dites ça dans les meetings aussi. Regarde, Babo qui est là, c'est nous on a fait Babo. Hein. C'est nous là, on a fait Babo. C'est nous on a crié partout que Babo là, c'est notre Dieu. C'est nous, on peut le décharger quand on veut. Est-ce que vous comprenez ça? Aimer Babo là, ce n'est pas une obligation. Hein. C'est une volonté. Est-ce que vous comprenez? Aimer Babo là, c'est une volonté. C'est un choix que nous, on a fait. Consciencieusement, c'est un choix qu'on a fait. Et puis, c'est nous, aujourd'hui, on dit que il ne nous arrange plus. Est-ce que le son est bon? Partagez la vidéo. Il va se passer des choses. Ça va se casser. Partagez la vidéo, s'il vous plaît. On dit, je suis pas star. Vous aussi, vous pouvez même me rendre ça aussi. Vraiment, moi, je ne comprends pas. Vous servez à quoi même? Ah, vraiment. On dit, je ne fais pas parmi les stars. Je viens, je me fasse beaucoup, quand il n'y a rien. Partagez vidéo, on va quitter ici. Pour partager seulement encore ces problèmes. Bénédiction, Léry, bonjour. Hein? Partagez seulement là ces problèmes. Et vous demandez pardon pour ça. Pardonnez, partagez. C'est ce que vous voulez, non? Pardonnez, partagez. Vous êtes là aussi, d'être. Vous allez faire les gens là, vous envoyer tête de mort ici, là, ils vont couper ma vidéo là. Et puis ils vont me bloquer. Parce que eux là, quand ils les attaquent, un peu seulement me bloquent. Aidez-moi à ne pas qu'on me bloque, s'il vous plaît. Ou bien. Donc, vous, les gens des FPI, là, regardez comment vous vous comportez. Voilà vos vrais visages qui sortent. Là. Vous, elle est maman Odette Lounion. Voilà vos vrais visages. Vos visages cachés que les gens ont vu, que nous, on n'avait pas vu. Et puis, on courait derrière vous, coucou. Là. Vos visages, là, nous, on est en train de voir. On est en train de voir. Toi, tant que tu prends le micro, tu veux crier fort sur les Ivoiriens. Toi. Viens, viens. C'est ta journée, Odu. Nous, on vous a dit ici que c'est nous, on a soulevé Gbagbo. C'est nous, on va le remettre en part. C'est nous, on a dit là que Gbagbo, c'est notre Dieu. C'est nous, on dit, son comportement qu'il fait là, il ressemble à un être humain. Donc, nous, on peut lui parler mal. On peut lui dire ce qu'on pense. On n'a pas peur de parler à Gbagbo. Il n'y a rien, non. Nous, on ne va pas avoir peur de... En ce moment, donc, cyberactiviste avec blogueuse, là, c'est pourquoi? C'est dans quel sens? C'est dans un seul camp? Non, c'est dans tout le camp. C'est quoi ça? Tu ne fais pas bien, on te dit le ouais. C'est notre travail qui est là, comme ça, là. Donc, vous, les gens de FPU, vous levez un matin, oui. On va aller faire un nouveau parti. La personne qui n'est pas avec nous, c'est que la personne est contre nous. On ne veut pas avoir de groupe. On ne veut pas avoir de groupe de soutien. Rentrez, si vous attendez le 17, dès que le 17, on a nos partis politiques, vous tous, vous fondez dans notre parti. Vous êtes malade. C'est vous qui payez maintenant des gens à bien là-bas. À pas chez vous. Quand vous mangez vos millions en cachette et Ouattara la nuit, là, on partage avec vous. C'est pour ça que nous, on est obligés de vous supporter. Hein? Des bouagra là, vous. Hein? C'est vous là. C'est-à-dire que nous on est là, on vous suit seulement. Ah, c'est ce qu'on vous avait dit quand il n'y avait pas internet. Non, allez là, il y a internet. Nous on va vous regarder droit dans les yeux pour vous dire que nous ne faisons rien vous. Vous avez compris, non? Nous là, on ne fait rien vous. On n'est pas obligé de vous suivre. C'est quelle partie on a commencé? On n'a même pas encore commencé partie, mais on commence à menacer tout le monde autour. Il y a quoi? Il y a quoi? Les mots aussi disent il y a bon. Votre parti qui est fœtus, même si c'est fœtus, même si c'est pas vieux, c'est pas, voilà, c'est fœtus, vous avez dit derrière le nom, vous avez dit que vous êtes enceinte. Donc, votre parti qui est fœtus, là, et nous, nos partis, nos groupes, nos rassemblements, qui sont vieux,
de plus de 5 ans, 10 ans, là, ces mouns cas se fondent dans vous, vos fœtus, là. Vous pisez la nuit ou bien? Ah oui, vous comment briguez? D'accord, il y a le brigade, oui, vous venez à quoi? Vous pisez la nuit. Vous venez menacer les gens comme ça, en public. C'est forcé de vous suivre dans vos combats, c'est forcé. Tandis au date de l'Union, vous voyez bien, c'est forcé. On dit c'est plus comme ça, c'est devenu comme ça. Ça va rester fermé, vous allez partir ça. Hein? Vous faites pas parti politique qui n'est même pas encore né. Vos vieux pisseurs là, au pas là. C'est mon grand-père dont je peux lui dire ce que je pense, ça je ne peux pas. Je l'aime. Mais il te croit dans deux jours, je dois lui dire la vérité. Vos vieux là, il fait communiquer carrément la personne qui n'est pas, qui ne le suit pas, la personne qui n'est pas contente n'est qu'à sortir. Mais les gens sont sortis. Les gens sont sortis. Mais pourquoi vous menacez maintenant les gens derrière ici? Vous-même, vous avez dit que la personne qui ne veut pas vous suivre, là, la personne qui n'est pas contente de vous, là, il n'a qu'à se retirer. Mais les gens se sont retirés. Ou bien c'est pas français que vous avez parlé. C'est pas français que vous avez parlé. Les gens se sont retirés. Maintenant, vous dites que quand vous allez faire votre... Et puis, regarde le ton de maman Lourignon même. On dirait elle ouvre maison des gens à Abidjan. Toi, maman, l'Orion, là, même, il t'a dit quelque chose. Il t'a demandé quelque chose. Toi, depuis que tu es dans FPI, là, quel est l'acte que tu as, à part venir crier dans le vent, là, quel est l'acte que tu as posé concrètement pour les Ivoiriens, en ton nom? Et puis, tu sors, tu viens nous menacer. Depuis que toi, tu étais dans le gouvernement de Gbagbo, là, jusqu'à vous avez mangé millions, jusqu'à vous là, vous étiez en exil ici là, vous étiez payé pendant que vous étiez en exil. Vos enfants, toi t'as dit Odette Lognon, ton enfant travaille avec le gouvernement. Toi t'as dit Odette Lognon, un bac te donnait l'argent. Tu cries fort c'est qui? Tu veux crier fort c'est qui? Et c'est vous toujours les premiers qui regardez dans la rue des gens pour dire, vous êtes les traîtres. Pourtant, toi, maman, Odette Lognon, avec les assos à doux consorts là, vous tous là, vous mangez, oh, Cassien Tadoulet, vous avez mangé, vous avez mangé, et vous mangez avec Dramane Ouattara. Toi, tanti Odette Lognon là, c'est toi, tu vas venir crier fort sur les Ivoiriens. Quand Asso Adou m'a dit que, des regards des vieux. Attendez, regarde. Votre parti, vous partez faire là. C'est maison de retraite. C'est pas pour nous. Vous allez vous retrouver là-bas, vous tous. Et puis, on va vous donner à manger. Et puis, on va vous laver. On va vous porter aux couches. Vous là. Votre parti, vous partez faire là. C'est maison de retraite. C'est forcé de rentrer dans vos maisons de retraite. Maison de, on dit que quand on est vieux, c'est là qu'on rentre dans la maison de retraite. Nous, on a encore de l'avenir devant nous. Mon grand frère, oui, dit bonjour. Grâce à Dieu, yao. Hein? Regardez-les là-bas, des bougans vieux comme ça. Ils se suivent, on dirait les gens, ils ont mis pile dans eux. Regarde, quand on était Gawa, là, on vous suivait. Voilà, on rappelle les choses par le nom. Quand nous, là, on était Gawa, là, quand il n'y avait pas encore Internet pour bien fouiller en bas, là, c'est ça, on vous suivait Où on est arrivé là? ATP. C'est pas forcé de vous suivre. Vous étiez dans FPI là. Hein? Gbagbo qu'on attendait son retour. La Côte d'Ivoire et l'Afrique entière attendaient son retour. Là. Il est rentré par la petite porte. Réglez ça. Vous n'avez pas encore fini de dire merci aux Ivoiriens. Vous n'avez pas encore fait discours pour apaiser le cœur des Ivoiriens. Vous n'avez pas encore posé des actes qui vont nous, qui sommes restés derrière vous en train de pleurer. Pour essuyer nos larmes, c'est vous qui nous obligez à rentrer dans votre maison de retraite. Et pourquoi? Mes amants. Hein? Gbagbo a le temps, depuis son retour, il a le temps de remercier Nadi Bamba. Et non pas les Ivoiriens. Gbagbo a le temps de se rappeler de certains exilés et d'en oublier d'autres. Vous passez. Rien n'est rancunier, hein? On a perdu nos parents dedans. Parce que réveillez-vous, hein.
Moi, je ne sais pas dans quel film vous êtes, vous les gens des FPI, les anciens FPI, je ne sais pas dans quel film vous êtes. Mais réveillez-vous un peu. La réalité se passe ici. Ok? La réalité, elle se passe ici. Regardez-moi des gens comme ça. Des vieilles personnes comme ça. Vous pensez que vous allez prendre le nom de Gbagbo pour faire quoi? Regarde, Gbagbo a fait son temps. Oui. Gbagbo a fait son temps. On l'aime maintenant comme un père qui a eu un passé glorieux. Point à la ligne. On commence un autre chapitre. Vous allez venir. Vous allez venir vous, vous remercier entre vous. Vous allez faire vos groupuscules. Vous vous suivez vieux, vieux là-bas. Des vieux, vieux, vous vous suivez là-bas. C'est vous qui allez nous obliger à aller adhérer à votre parti. Par rapport à quoi? Votre parti là, vous avez fini. Finissez de créer. Donnez-nous le contenu. Nous, on va se rendre compte. Et puis, si on doit vous suivre, c'est un choix. Adhérer à un parti, c'est un choix. Tu épouses l'idéologie. Vous voulez vendre la tête de Gbagbo maintenant, mais pas pour ses idéologies finalement. Ah bon? Vous voulez jouer à ça et nous? Hé! Hey! Viens faire nous deux, si on est une cancre. C'est gâté dans nos mains à l'air là. On a Nimi Kaba, on a Maé Sab, Watra. Donc ouais, là, on est varanisé. Vous ne nous faites pas peur. Attends. C'est qui toi? C'est qui vous voulez menacer? Qui? Nous là, vous allez nous regarder dans les yeux. Nos parents sont encore en prison, ils ne sont pas encore sortis. Quoi, ben où on a? Ben où il y a dans? Il y a des bouts là, mais vraiment les gens là, c'est pas possible. Hein? Nos parents sont encore en exil. Il y en a qui, nous comme ça là, nous les crapauds, on ne peut plus rentrer, on a oublié de négocier à Ouattara pour rentrer. Et vous, on n'a pas encore fini de pleurer. Gbagbo est venu, Gbagbo est en train de faire Miss Côte d'Ivoire. Dans tous les Ouattara, il est en train de faire Miss Côte d'Ivoire dans les églises. Hein? Il n'a pas eu le temps de mettre bâche pour faire micro. Oh, les gens là, vous là. Oh, vous là. Merci, hein. Les sauvages, là, vous qui êtes partis mourir, hein, vos parents là, les chiens là. Merci, hein. Bon, on est de retour, hein. Bon, voilà, on est de retour. On va encore frapper fort, ok? Vos parents qui sont en prison, ils ont resté un peu là-bas. Il y en a qui vont s'ajouter dessus. On arrive. On va faire nouveau... Mais vous, vous prenez les gens pour qui, même? Vous prenez les gens pour qui? Tanti, au dead de l'Union, tanti, crié fort. On va écouter ta vidéo. Moi, ben, il arrive sur toi. Aujourd'hui, là, c'est ta journée. Carrément. Elle veut crier fort. Elle veut crier fort. Pour que votre parti, là, moi, je vais vous dire un secret, même d'ailleurs. Un petit truc, vous allez vous débrouiller avec ça. Pour que votre parti, là, fonctionne, pour que votre parti, là, la Côte d'Ivoire vous suive dedans, à nouveau, aveuglement en plus, la chance que vous aurez, là, c'est, de vous, c'est que Gbagbo Laurent vienne s'agenouiller devant Simone et Yves Gbagbo, lui demander pardon comme il se doit. Et puis s'ils vont divorcer, les filles vont divorcer dans le respect. Avant que les Ivoiriens vont vous suivre dans vos parties. Là. Sinon là, mouf! Vous comme là? Quand Gbagbo est indigné, Simone et Yves Gbagbo là, à l'aéroport, là, il a indigné toutes les femmes de Côte d'Ivoire et toutes les femmes d'Afrique, y compris. C'est pas du jeu. Gbagbo, toi et puis ton village ton village de vieux là, écoutez bien, si, Mijo, ma grande soeur, bonjour, si vous voulez, à quand déplaise à ceux qui, ça c'est votre problème, vous que vous ne voulez pas là, ça c'est vous qui voyez, mais je dis, en tant que femme, en tant que fille de Côte d'Ivoire, digne de son nom, je dis, tant que Gbagbo ne va pas venir s'excuser, véritablement devant Maman Simone Yves Gbagbo, lui demander pardon et demander pardon aux Ivoiriennes, aux femmes de Côte d'Ivoire qui l'a frustré, qui l'a blessé. Hé! Hey! A tes pépés. A tes pépés. Ça vous plaît où? Ça vous plaît pas où? C'est vous qui voyez. Jésus nous dit. C'est ce qu'elle vous a dit là, c'est ce qu'elle a dit. Il n'y a pas autre chose derrière. Tu veux où? Tu aimes Nadi Bamba où? Tu n'aimes pas Nadi Bamba où? Tu préfères Nadi Bamba ou tu préfères pas maman ou c'est comme ça que ça doit se faire avant que les Ivoiriennes. Parce que c'est nous qui faisons la Côte d'Ivoire. Nous les femmes là, c'est nous on fait la Côte d'Ivoire, c'est nous on fait le monde. C'est nous les femmes là. On a une puissance sur vous. Vous voulez ou vous voulez pas ou quoi clair ou pas quoi clair ou. Femme, quand elle porte ses règles, on a une puissance en nous. On nous fait pas du mal. Tu fais du mal à une. Tu vas retrouver l'autre devant toi.
Ça chauffe pas. Ça chauffe pas. Quand on regarde le parcours de maman Simone Evêque Babou et son mari, quand on regarde le sacrifice qu'elle a fait, c'est un exemple pour nous les femmes. Digne. Donc elle a sa douleur là, nous la portons sur nous. On la porte. On prend ça personnellement même. Ah, tu comprends? Ça n'a rien à voir que tu aimes maman Simone Evêque Babou ou que tu ne l'aimes pas. Mais ça dit que l'historique des faits, l'historique des faits, tu dois prendre conscience vis-à-vis de ça et te dire non. Ça aurait été moi. Si on me faisait ça, je n'allais pas supporter. Ou si on faisait cela à ma mère, je n'allais pas supporter. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, maman Simone Evêque Babou a fait. C'est même pas elle qui a fait. C'est les enfants, les gens qui l'aiment, là, les femmes qui pleurent dans son nom. Là, les femmes qui. Maman Simone Evêque Babou, elle est mieux que vous tous dans vos groupes là-bas. Maman Simone Evêque Babou, là, elle est mieux que vous tous dans votre empire, village de vieux. Là. C'est elle, là. Elle a dit merci aux Ivoiriens. C'est elle là qui est partie au chevet de tous les problèmes. Elle était à Abidjan. Elle a gardé votre arrière là. Elle a mis, ça dit André nous qui avait le coco. Elle a gardé votre arrière là comme ça. Et puis vous êtes venu la trouver. C'est dans ça là, là vous voulez l'humilier. Et sur sa tête, vous voulez mettre. C'est pas en Côte d'Ivoire ça va se passer, les frères. C'est pas en Côte d'Ivoire. Hé, hey, réveillez-vous. Les vieux, réveillez-vous. Babo va plus prendre pouvoir là. Il sera conseiller. Il peut créer son parti pour donner à comment il s'appelle, à Kipré, Stéphane Kipré. Il peut faire partie là même pour donner à comment il s'appelle, Odette Le William qui va beaucoup là. Il fait faire le parti là même pour donner à Nadi Bamba elle-même. Il n'y a pas de souci. Mais dit que Babo va faire 2025, il va faire, voilà, fait, non, et il va venir passer diplôme là et puis voilà, quand Gourou est dans français, c'est compliqué. Élection de 2025 ici là. Où Gbagbo est venu chier sur nos têtes. Il est venu pisser sur nos têtes. Il nous a traversé comme ordure là. Dans 2025, où nous tous on a assis ici là. Ah, Gbagbo n'a qu'à faire sacrifice, on va voir. Le seul sacrifice qu'il peut faire, et puis les Ivoiriens vont le pardonner. C'est de s'agenouiller devant maman Simone Evêque Babou. Lui demander pardon. La remercier pour tout ce qu'elle a fait pour lui. Et remercier tous les Ivoiriens. Essuyer les larmes de tous ceux qui ont perdu leurs parents dans cette guerre. On ne l'accuse pas que c'est lui qui a tué nos parents. Mais on veut qu'il reconnaisse au moins que c'est dans son nom que nos parents sont décédés. C'est logique. Tu es venu, tu es allé sur la tombe de ta maman. Tiens, tu es parti sur, sur la tombe de Sangaré. Tiens, tu crois que nous, on n'a pas des parents chers qui sont tombés aussi en Côte d'Ivoire. Tu crois que le sentiment, vous pensez que le sentiment qui vous anime là, vous pensez que ça ne nous anime pas aussi. Nous aussi, on a envie de rentrer chez nous pour aller voir nos parents. Ceux qui sont partis, allez voir au moins leur tombe, faire leur deuil, rentrer dans une nouvelle phase de notre vie. Vous nous laissez en deuil et vous voulez qu'on vous suive dans vos nouveaux parties. On a qu'à courir, courir. Parce que quoi? Parce que qu'est-ce qui s'est passé? Parce que qu'est-ce qui n'a pas marché? Parce que qu'est-ce qui n'a pas marché tant qu'il y a. Quand les gens étaient en exil, là, toi, Ouattara, te payait en cachette. Tu étais la première qui était au golf pour aller féliciter Ouattara. Pourtant, tu étais avec Babo. Donc, shut the fuck up, la vieille. On est d'accord? On a ton dossier. Tu la fermes. C'est toi, là, qui vas dire que les gens sont traîtres. Au premier coup de canon sur Babo, tu étais au golf. Tu étais à l'investiture à Yam Soko de Ouattara. Donc, shut the fuck up. On n'a rien à recevoir de toi. Tu comprends la vieille? Si tu ne veux pas prendre ta retraite là, ton modèle là, ça s'assoit au village. Ta fonction au FPI là, qu'est-ce que tu as prouvé à la nation ivoirienne? Quel était ton rôle clé? Bakbatoya, en train de placer toi-même tes propres enfants. C'est tout ce que tu as fait. Tu as fait quoi pour la nation? Et puis nous on a des leçons à recevoir de toi. Ferme-la. Ferme-la. Tu as porté jupe pour y ganekou, kirekre, ita ou na karo y goa, clique, clique, clique. C'est toi là, tu vas venir crier force pour nous donner, par rapport à quoi? Toi, quand tu es rentré de l'exil, en bac, il te payait, il te donnait l'argent. Un moment,
Maman Mbak t'a dit de ne pas sortir du territoire ivoirien. Tu sais pour ce que tu as fait. Maman Laurion, il faut nous laisser tranquilles. Hein. Regarde, on est en train de pleurer nos morts. C'est nous qui avons laissé Gaou derrière nos parents. On a compris. C'est nous qui avons été les sacrifiés. On a compris. Nous, on a compris. On est d'accord avec ça. On voit. Regardez comment vous faites. Vous reprochez quoi à Ouattara même? Donc, c'est vous qui avez diabolisé Ouattara dans la main des Ivoiriens. C'est pour ça que Ouattara ne vous a pas loupé. C'est... Donc, Ouattara est bon, hein? Ouattara, lui, au moins, il est reconnaissant. Tu n'as pas vu tous ses parents qui l'ont aidé pour venir au pouvoir. Il les a tous encadrés, il les a mis à côté de lui. Tiens, Tiens, Ouattara a raison. Si vous ne quittez pas dans ce que vous êtes là, Ouattara va faire encore 4e mandat. Nous-mêmes, on va le soutenir. Ah oui, 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 oui. On peut se tromper. On est des, nous sommes des êtres humains. On peut se tromper. Si vous, les jeunes de FPI, vous ne faites pas attention. Voilà Ouattara qui a eu peur que Gbagbo rentre en Côte d'Ivoire. Il a eu peur. Il s'est dit, shit, sur le bar, bien, il rentre. Atena Nyama. Donc, il a pris toutes ses dispositions. Il voit le Gawa rentre. Il voit, aïe. Laisse à vous. Comment? Ok. Le Gawa, le vieux Gawa rentre. Il commence à se combattre bizarrement. Moi, t'as dit, hé. Mais moi, j'ai eu peur pourquoi? C'est un babier. Aïe. Mais moi, je suis emmerdé pour rien. Attends, voilà. Gbagbo est venu par la petite porte. Parce que les Odette de l'Union, Kwakwato, ma flotteuse derrière Gbagbo là, avec Asso Adou, vieux, qui s'en va mourir, ils ont laissé la tête et puis ils veulent diriger la Côte d'Ivoire là. Ceux là, ils se sont associés, ils ont fait un cercle fermé autour de Gbagbo. Pourtant, il n'y a pas plus maudit que eux tous qui sont autour de Gbagbo là. Il n'y a pas un qui n'est pas plus maudit. Mais eux, ils ont fait un cercle fermé autour de Gbagbo. Et puis ils sont assis. Vous cherchez quel avenir dans la politique là? Quand les assauts à doux comme ça, vous cherchez quel avenir? Quand on rentre dans quelque chose, c'est pour grandir. Quand on rentre dans quelque chose, on apprend et puis on progresse avec. On gravit les échelons. Vous êtes dans FPI là. Vous avez grandi comment? Et puis on ne vous a pas vu. Vers la fin de la nuit, vous devenez repère de Ouattara. Vous êtes caché. Ouattara vous donne à manger. Et puis quand vous sortez, vous le diabolisez dehors. C'est pour ça que quand il met la main sur vous, met ça dans vos coups là-bas. C'est à cause de ça, vos nirez, vos bras. Quand mon grand frère est sorti, quand on a mis caméra sur lui, il dit, wow, pardonne, hein, les Ivoiriens, pardonnez, je vais rentrer. On dit, oh, il a trahi la lutte. Quand vos tombes, pile. Ah donc, c'est lui qui n'est qu'à rester, il va mourir ici. Et vous, la nuit, vous partez faire bisous sur les pieds de Ouattara. Matin, Ouattara n'est pas bon, Ouattara n'est pas bon. C'est pas possible. Vous nous mettez dans groupe, vous nous mettez dans sac de sachet, et puis vous nous jetez sur la route, et puis Ouattara nous massacre. C'est bon, c'est vous qui êtes en bas. Ah bon? Hé, Zuckerberg, tu as bien fait. Si tu n'étais pas là, nous là, si tu n'étais pas là, Zuckerberg, si tu n'avais pas ouvert ça là, nous, on était morts dans la main. Vous croyez que les Sarakaïens, truc, on dit Gbagbo, Gbagbo, t'es là! Zriya Kredji, t'es là où? Comment? Toi, t'as dit au dead de l'eau, non? On a tes dossiers ici. Il ne faut pas nous énerver. Il ne faut pas. Il n'y a rien. Toi, là, ton modèle, là, c'est Kandia Kamara. Ou bien Bia Kissé. C'est le même modèle en FPI. Toi, maman, au dead de l'eau, l'union, là. Tu es bien qui c'est des FPI. Tu racontes des bêtises et seulement. Toi-même, tu as quel diplôme même et puis tu veux nous fatiguer là. Et tu es comme moi ici et puis tu veux parler fort. Tu veux crier fort sur nous, les Ivoiriens. Hey! Vous voulez crier fort sur nous? Partagez la vidéo s'il vous plaît. Même boire de l'eau. Comme vous ne partagez pas là. Vous, là même, vous n'êtes pas intéressé. Moi, je suis venu me sacrifier pour vous. Faire comme ça, vous êtes comme les FPI. On se sacrifie pour vous et puis ça reste gangbanzan. Si on m'a attrapé ici pour m'amener, si Ouattara est venu me prendre ici pour m'amener dans la maca, là, ils ne vont pas parler dedans. Parce que ce n'est pas leur problème. Parce qu'ils devraient parler mal. Carrément.
Partager la vie de mère, boire de l'eau, mais chez mon verre d'eau. Tati Lorumi avait crié fort, avait parlé fort. T'as parlé à qui? T'as parlé à qui? T'as une bière qui c'est des FPI, t'as parlé à qui? Ferme ta bouche là-bas. Ferme ta bouche là-bas. C'est moi qui ai dit ça. Bois de l'eau, là. Toi, tu te réveilles le matin, tu es rassasié, toi, tu es crié fort aussi des Ivoiriens ici dehors. Nous, on est varanisé dehors ici. Même le vieux petit, il ne fait pas attention, on lui parle mal, on lui dit son frère, non, ça ne chauffe pas. C'est lui qui nous entraîne dans ça. Ah, donc quand on crie pour Ouattara, vous êtes content. Hein? Quand on crie, quand on insulte Ouattara, vous êtes content. On va vous dire, plutôt aussi. Comment ça y est? C'est la Côte d'Ivoire. Si vous ne vous arrangez pas là, on va se muscler sur vous. C'est de ça qu'il s'agit. Personne n'est épargné. Il n'y a pas de préférence ici. Il n'y a aucune préférence ici. Mon leader Isaïe lui dit, mais ouais, ça ne chauffe pas. Ouais, c'est comme ça la bonne collaboration. On ne s'assoit pas, et puis on voit la vérité, et puis on ferme sa bouche dessus, parce que c'est mon leader. À tes bancs. Ça ne va plus se passer comme ça. C'était avant. Avant, dans moi, sac de riz, bidon d'huile, on te blague, tu es content, tu dis, oh, on a porté mon, j'ai porté son tricot la dernière fois, c'est lui, j'ai voté. On va passer au peigne fin par ici. Passer au peigne fin. On va prendre le meilleur. Actuellement, on a besoin des meilleurs. On n'a pas besoin des médiocres. On a besoin des meilleurs. Des gens qui peuvent, qui sont capables de respecter. Hein. C'est eux, on va suivre. Des vieux marmailleurs comme ça. Babou se rappelle que Nadi Baba faisait 400 km pour venir le voir. Il a oublié que les Ivoiriens, tout, ils sont arrivés à La Haye. Ils ont payé transport. Ils se... Karata, yana bien la rona. Et puis c'est vous qui voulez nous obliger à vous rentrer dans vos Nyomi Elek Yedou. Pourquoi? Nyomi Elek Yedou même qui n'est même pas encore né. Vous menacez déjà les gens dehors ici à cause de ça. Ainsi Nyomi Elek Yedou est né. Oui. Donc vous serez pillé. Donc c'est pour ça. Donc Ouattara a raison. Quand tu fais quoi, hein, on ouf. Tu fais quoi, hein, on ouf. C'est comme ça. Donc vous nous reprochez quoi? Parce que c'est la même chose que vous faites. Vous-même, votre parti n'a pas encore été créé. Regardez comment vous menacez les gens. Et quand vous allez créer parti, quand on va vouloir vous critiquer, oh, ma carte va se remplir. Nous, nos bouches qui est dure, qui se ferme pas. Nous, la même, là, vos gouvernements, là, quand ça va mettre 6 pieds, là, c'est les premiers, nous, les premiers, normalement, on va partir dans ma carte, aller dans ma carte là-bas. Parce qu'on fait pas nos bouches. Donc nos parents là ils sont morts cadeaux quoi. À côté, Kevin, si toi tu parles de ma maman Oma, tu parles de ma Oma la nation comme ça. Toi Odette de l'Union là, tu peux pas. Mais tu es malade. Tu imagine ça. Travail que maman Simone Eve Gbagbo a fait quand toi pire quand tu étais ici en train de tu étais en Mauritanie bah, au Ghana bah, je sais pas où tu étais en train de faire appuyer par les jeunes là. Hey la vieille là il a sacrifié tout à Bigan là-bas, elle l'a nettoyé derrière vous tout cabra, vous êtes venu à la Nadi Bamba là qui est devenu tu. Ah bon, il doit oui, c'est toi qui crie, tu es crié fort, tu as dit tu as crié fort sur la vieille là, quand tu es crié fort sur les Ivoiriens maintenant. Hey hey bien qui c'est FPI, hey. Femme là-bas. Donc dans le gouvernement, là, il y a son 1D, 1D. Regardez-moi ça. Tu cries fort. Tu cries fort sur nous. Tu peux crier fort sur nous. Tu peux crier fort sur nous. Oh, tu peux pas, hein. Tu peux pas crier fort sur nous, maman d'Orion. À jamais, tu peux pas crier fort sur nous. Il faut parler doucement. On va chercher à mettre l'oreille pour entendre. Si tu as crié ici, si on a crié sur toi, tu as demandé d'habillant. Si nous, on s'est apprêté pour crier sur toi ici, là. Hé, hey, la vieille! Hé! Hey, tes rides là vont tomber. Ça veut dire que tu vas vieillir un coup. Quand nous, on veut
veut crier, quand on va vouloir crier fort sur toi, là, hein, tu vas avoir les rides un coup. Peut-être même que ça va faire tomber Adou Richard, le vieux là, lui qui se promène avec son cercueil là. Vous êtes vieux, vous mettez calé. On a dit, maman, vous a mis calé, vous tous là-bas. Kagama, ça vient. Vous criez, c'est qui? Donc quand on bombardait Laurent Gbagbo et puis on avait créé soutien les jeunes patriotes pour aller mourir devant la route, le palais présidentiel de Gbagbo là. Pourquoi vous n'avez pas dit qu'on ne soutient pas les gens comme ça? Vous riez quand c'est quand ça vous arrange. Et là-bas? Et quand nos petits frères sont partis faire bouclier au palais présidentiel là, c'était un soutien de patriotes. Pourquoi vous n'avez pas dit que non, notre parti là, on ne fait pas de soutien autour. Laissez-nous tranquilles. Ah bon? Aujourd'hui, on est en train de soutenir maman Simone et Yves Gbagbo. Vous êtes en train de créer vos partis, donc il faut pas vous parler de quoi? Allô, Kodi, à quoi? Vous voulez crier fort? Eh, nous tous sommes Ivoiriens. Quoi de voilà, c'est pour nous tous, hein? C'est pas pour une personne et puis l'autre est venu négocier. Non! Eh! Le poids que vous vous donnez quand vous asseyez pour prendre le micro et pour vous crier là, c'est le même poids que nous aussi on a. C'est notre pays aussi. Les droits que vous avez là, c'est les mêmes droits que nous avons. Hey! C'est plus l'affaire de Monsi Draman. Non, ça c'est entre nous. On s'est dit le ouais, ça a été chopé, a été pépé. Il faut te calmer. Au calme. La vie, il faut te calmer. Il est doucement. Maman, bien qui s'est fait. Il est doucement. Allez, nana. Tu n'effraies personne. Vos gnoïs là, vous êtes tous des vieux. Maison de retraite oblige. Vous, l'on doit vous attraper, vous enchaîner, vous emmener dans la maison de retraite. Prenez votre retraite. Fichez la paix aux gens. Est-ce que vous comprenez? Vous avez votre temps. Toi, maman, vous êtes là, tu avais dit quoi à qui ici? Toi-même, quand vous étiez au pouvoir, t'as fait quoi pour qui? Et puis, t'as venu crier fort sur les gens. Par rapport à quoi? T'es apporté un jour, ça a serré ton pied comme ça. Toi-même, tu es là même pour marcher, même tu as tous les problèmes. Et tu es derrière pour voir seulement. Kek Gbagbo, on a quand même quoi, Gbagbo est vieux. C'est notre repas. Il n'est qu'à rester là-bas. Il est en train de prendre du bon temps, il n'est qu'à s'asseoir là-bas. C'est tout. Faut pas vous aller l'encourager, il va sortir ici. Hein? Tu as le dessin. Hein? C'est pas yaya. Hein? Votre crédit que vous avez pris quand il était 10 ans en prison, qu'il n'est qu'à venir faire pour vous, il n'est qu'à venir faire parti politique pour que vous ayez remboursé vos crédits là. Hey! Réglez ça là-bas. Ne le blaguez pas, il va sortir ici. Hein. Oh, le dessin. Ici, c'est pas là-bas, là-bas, c'est pas ici. On va le dessin. Donc, c'est vous qui encouragez le papa à aller faire un nouveau parti là. C'est parce que vous ne parlez pas avec Afin Diessa, vous avez encouragé le vieux là. Au lieu de négocier avec Afin Diessa, le parti qui est déjà là, qui est, ça fait des années, au lieu de négocier avec lui, vous allez trouver un terrain d'entente forcée. Non, vous êtes gonflé. On a pris l'enveloppe. Il a qu'à prendre le vieux. Quand la personne qui ne veut pas nous suivre, il n'est qu'à aller dehors. Mais on est dehors, laissez-nous dehors. On fait ce qu'on veut dehors. Nous, on fait ce qu'on veut dehors. Voilà. Vous avez dit, on a quitté, on a quitté. On est dehors. Pourquoi vous venez gérer nos sentiments de dehors? Par rapport à quoi? Faites votre partie là-bas. Partie qui n'est même pas encore faite là. Regardez comment vous faites du bruit dessus comme ça. Partie qui n'est même pas encore créée. Hein? Même Sologium, partie de Sologium là, il est plus vieux que vous, vos parties là. Vous avez crié fort. Vous avez crié fort. C'est qui? Ah bah, Irem là, hein? Godel est là-bas. Ils sont vieux, ils se suivent là-bas comme ça. Vous avez besoin de femmes. Vous avez besoin de Tati Nadi Bamba là pour mettre bavard dans vos bouches là. Vous avez venu diriger vie de qui encore? Vous avez dirigé nos vies hier, on a vu dedans. On a vu le résultat des ingrats comme ça, des vieux pour qu'ingrats comme ça. Vous allez venir nous prendre notre vie encore. C'est bon. A tes pipi. La personne qui aime Gbagbo, elle n'a qu'à le mettre sur son dos. En courrier, lui. Ah, c'est lui qui voit. Ok? La personne qui aime trop Gbagbo, là, il n'a qu'à le mettre sur son dos ici. Mais puis, moi, ça courrier, lui. C'est pas 2025 qui va venir chauffer nos oreilles ici. Gbagbo nous doit un pardon, des excuses. Si c'est pas le cas, là, allez-y à la maison de retraite, vous tous. Ouais. Allez-y à la maison de retraite, vous tous.
vous allez vous agenouiller un à un pour demander pardon à Mas Monévé Gbagbo. Si ce n'est pas le cas, hey, on va regarder film indien en Côte d'Ivoire. Il n'y a rien dedans. On va regarder film indien en Côte d'Ivoire. Où les enfants ramassent bébé et puis après ils se rendent compte que bébé est devenu leur maman. Ça ne chauffe pas. On va mélanger pour vous donner. Ou bien. Alors vous foutez déjà quand même. Vous foutez déjà quand même. C'est qu'il y a des foutaises même. Donc Gbagbo, lui il va quitter à la haie ici. Nous, on va pleurer dans son dos. Nos parents vont mourir dans son dos. Nos parents sont encore en prison. On a nos parents qui ne peuvent pas rentrer en Côte d'Ivoire. Ils sont... Ça dit qu'il n'y a rien qui est réglé encore même. Donc, on va faire une nouvelle partie. La personne qui ne peut pas rentrer là, il est qu'à partir. Oh, ça va. Oh, ça va. Oh, ça va. On vous a laissé un adi, papa. Nous, ça va. Dès lors, à le 17 dernier Naziaba, dès lors, le nouveau parti est créé. Tous les partis, tous les groupes doivent se fondre dedans. Votre temps. Pire, venez nous attraper là, hein. Venez attraper que ça va vous tuer dans votre partie. Vous êtes malade. Venez nous attraper. Quand vous bloquez, quand vous envoyez nous dans votre partie là-bas, on arrive. C'est nous que vous menacez. Vous criez sur nous fort dehors ici. Nous. Vous criez sur nous ici. Vous êtes fou. C'est la vieille ça qui vous fatigue. Vous êtes fou. Vous êtes fou. Partagez vidéo là, ou bien. Attends. Un comportement qui a dû blesser. Eh, pas des mamans. Moi, c'est mon évêque, Gbagbo. Ton long cul qui est derrière toi. Ich, on est dans le principe. Pardon, il y a enlevé dedans. Rrr, la partie là, j'ai enlevé. Rrr, il y a enlevé la partie là. On est dans le principe. Donc, bon, de toute façon, toi, tu n'as jamais été marié correctement. Pourquoi on voit vraiment ton mari digne de ce nom? Donc, toi, tes agissements, on peut comprendre. Bien qu'il y ait des FAI, on peut comprendre. On peut comprendre. Parce que toi, tu n'as jamais eu un homme même digne de ce nom. Hein? Dans Côte d'Ivoire, là, pourquoi on dit que le mari des mamans d'être de l'Union. Bon, tu es resté là-bas. Côté, bon, toi, on peut comprendre que tu peux raconter des choses comme ça. On te laisse ce bénéfice-là. Pas de soucis. C'est bon. Tu sais pourquoi tu dis ça? Y'a pas de problème. Ici, là, ce que nous célébrons, ce qu'ils ont dit, c'est le retour de Bagoura. C'est donc le retour de la paix. Mais, maman Odette Lorion, le retour de Gbagbo, là, c'est vous qui êtes en train de célébrer, c'est pas nous. Nous, on n'a rien à changer dans nos vies encore. C'est vous, là. Quand Gbagbo est venu là, son brinquin il a envoyé sur vous là. Nadi Bamba, elle vous a géré un peu. Donc, vous êtes en train de célébrer le retour de Gbagbo. C'est vous qui sentez le retour de Gbagbo. Et de non, est vous. Avec moi. Et nous, on est vous. Nous, on est encore ici. Hein. Donc, nous rien n'a changé. Hein. C'est ça. Donc, il reste juste. Il y a rien là. Retour de la réconciliation avec qui? Vous êtes réconcilié avec qui? Vous êtes en parler avec qui? Vous êtes réconcilié avec qui? Partagez ma vidéo là, arrêtez de m'emmerder vous là. Si vous partagez pas là, je m'en vais même. Non, 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 c'est pas vous là même, vous. Vous ne vous abonnez pas sur ma page, je viens pas beaucoup quand vous partagez pas non plus. M'énerve. La biéquise de FPI, allez là. À cet allure là même là il aurait dû rester là-bas même. Ouais, on était pas allé bouillir ici à foutaise même.
Quand on maudit à même d'abord. T'as et puis babou vous deux là, on maudit à même. Ouais, c'est comment ça est. Et si vous n'avez pas respect pour les Ivoiriens, on maudit à chaque matin quand vous vous réveillez. Carrément. C'est vous qui profitez. Baba est venu là où il a pris vous d'aller entourer, non. C'est pas un président encore, c'est un citoyen lambda. Il n'a pas venu saluer les gens. Il n'a pas venu saluer ses frères. On a couru dans son dos. Il n'a pas venu nous saluer. Oui. Ou le prénom, ou le fait entrer les présidents encore. Bon, bon, c'est comment? Hein? Bien qu'ils aient des FPI, c'est comment? Bah voilà, normalement, il doit sillonner. Il n'est pas un président encore. C'est votre qui est président. Oh bien. Il doit sillonner partout pour dire pardon, merci aux gens, merci, merci, merci aux gens. Vraiment, je suis désolé. Merci, merci, merci. Ou le prénom, ou le fait encore le président. On ne peut pas le toucher. Les maudits de ces fans qui prennent là. Eux, ils sont gonflés quoi. T'as depuis quand t'as des gros bras. Ou gonflés derrière lui quoi là. Hé! Hey! À tes pipi. Voilà. Non, hein? Ah. Tu sais ce que mon fétiche vous a dit là? Non, hein? Ah, d'accord. Mais lui, il a mal fait. Parce que, si, voilà, ici, si c'est encore aujourd'hui là, dans sa tombe, il s'est tourné, il a dit, hey, shit, mais j'aurais pas dû, merde. Hein? Vous pensez que nous, on avait su que vous étiez comme ça là? Vous pensez que si nous, on avait su que vous étiez comme ça là, on allait se sacrifier pour vous là? Ah, putain, t'as bien fait. Tu nous as ouvert les yeux. Nathalie, ma grande soeur. Mettez les cœurs. Ils sont jaloux. Les FPD sont dans ma tête de mort. Hein? Zougaimek. T'as bien fait. Tu nous as ouvert les yeux. Parce que sans toi, ben, ils nous ont niqué. Hein? Ça fait des années qu'ils nous ont niqué partout. Grâce à toi. La Zombrota, voilà pour toi, bisous là-bas. Que ce mouvement là n'est pas un mouvement qui doit fonctionner à côté de la structure du bandeau. Mais pourquoi? Vous voyez une structure bandeau con là, dans quoi vous là? Vous contrôlez quoi d'ivoire quoi? Eh, vous voyez quoi? Eh, mais Yedio, vous pensez qu'il y a quoi même? Eh, rentrez-le! Moi-même, là, j'ai créé mon parti demain. Parti des poclets, ça chauffe pas. Il y a beaucoup de problèmes du parti des problèmes. Tu viens créer mon parti. Vous êtes malades. Vous êtes fous. Donc c'est vous là. Vous, ça dit c'est vous qui doit. Vous devez dire aux gens ce qu'ils doivent faire et ce qu'ils ne doivent pas faire. Mais en ce moment là, pourquoi vous laissez votre tranquille. Mais laissez-le tranquille. Mais c'est tout. Laissez-le tranquille. Parce que c'est même travail là. Quand tu n'es pas avec moi, c'est que tu es contre moi. C'est ça. Pourquoi? Et puis vos partis, mais qui n'est même pas encore né. Ça dit que parti, mais c'est pas encore né même. On a parlé comme ça, c'est pas encore né. On te parle, tu vas naître, tu vas rester là-bas. Parti des autres déjà qui sont nés, groupe des autres déjà qui sont nés là, c'est ça que vous êtes en train de menacer. Quoi? On a vu vos visages. On a vu vos visages. Moi, demain, je vais créer mon parti. Groupe de Djandjou de Côte d'Ivoire. Suivez-moi. Mm-hmm. On a nos modèles au pays. Oh. On a nos modèles au pays. Si vous pouvez vous parler, je préfère que ça soit Djandjou que ça soit Pédé. Ma bouche. Donc, c'est ça. À chacun son corps. À chacun son corps. Deux. Parce que nous, on est obligé, quoi. On est obligé. Ça veut dire gouliouille, quoi. Ça dit que nous, là, éclair comme un droit, quoi. Ça dit que vous, comme c'est vous qui êtes là, donc, t'es mis à si t'as vraiment comme quoi. Ce que vous voulez faire, on vous suit. On vous suit. Quand des mouvements qui va te faire, c'est un cas s'effondre. Vous cherchez client. Vous n'avez pas dit que si on est trop fâché, on est parti. On allait créer nos groupes. Et vous pensez que sans vous, nous, on ne peut pas vivre en fait. Vous croyez que sans vous, là, nous, on ne peut pas vivre. On va lever ça dans vos yeux. Hein?
dit qu'ils étaient des FPI. Viens là, on va faire ça comme ça. Nous, on est caracro. Nous, on bave. On a ça, ça, ça a été dans nos yeux. Nous, là, nous, on est caracro. Nous, on n'est rien même. Donc, Donc, c'est vous qui allez nous menacer. Ces Français débattent dans vos partis. Parti qui n'est même pas encore né. C'est Jésus que vous allez créer. Vous, votre grossesse, c'est là. C'est Jésus que vous allez. Jésus revient vers vous là-bas. Vous menacez les gens. Vous avez peur de quoi? Vous avez peur de quoi? Ah donc vous n'êtes pas fort. Malgré qu'il y a Babo derrière vous là, vous n'êtes pas fort. Comme vous ne voulez pas que Babo aille à la retraite là, nous on l'envoie à la retraite. Regardez seulement. Afa Afro. Il doit disparaître par rapport à quoi? Est-ce que quand nous on faisait nos groupes, nous t'as demandé la permission? Et puis nous, on va attendre que toi, tu donnes ta bénédiction de disparaître. Tu es malade, t'as dit bien qui c'est. Il fout là-bas. Elle veut crier fort sur nous. Elle veut crier fort sur nous. Dans quel sens toi, tu veux crier fort sur nous-mêmes? T'as dit bien qui c'est. Bon, voilà. Pour un parti même, on n'a pas encore créé. Ils n'ont pas encore trouvé le nom. Ils sont très bien. Yéli, bon, Yami, elle est qu'elle là. Ça n'a pas encore créé. Elle a dit qu'on n'a même pas encore trouvé son nom. Mais là, ceux qui ont déjà un nom, là, c'est eux là que vous êtes en train de menacer, c'est qu'eux n'ont pas fait pour venir chez vous. Vous êtes fous. Zuckerberg! Ils ont trop barbaillé, man. Yeah, ils ont trop barbaillé. On n'était pas au courant, on ne savait pas. On était gawa, on était jeune. Allez, où on est arrivé là? Hey! Wesh! Il n'y a pas quelqu'un qui va s'asseoir sur la tête de son ami. Carrément. Parti qui n'a même pas encore été créé. Vous n'avez pas encore trouvé son nom. Et puis c'est vous, vous menacez les gens qui ont déjà leur parti, qui ont déjà leur. Eh, même son nom qui a son parti. On appelle ça GPS. C'est un embrouille, mais bon, ça y est là. C'est encore même plus vieux que le parti de Gbagbo là. Gbagbo, c'est un gawa. Il y a rien dedans. C'est dernier de classe à l'air là. Cousin, ça va faire là. Il est dernier de classe. C'est maintenant il va chercher son cahier. Il va chercher son bip pour écrire. C'est que ça y est, son devoir qu'il avait fait où il était premier de classe. Il a laissé ça là-bas. Il dit qu'il est fâché. Il a fait gros cœur. Il dit, hey, pas tellement. On lui a dit que c'est un génie. Là, les gawa à côté de l'autre. Il dit, hey, Dieu, papa, c'est ça, dame. Faut damer. Toi, tu es dû. Faut faire nouveau. Nous, on t'es sûr. Là, c'est la gawa. Donc, ils sont allés jouer dans la tête du vieux. Là, dit maman aussi, qu'elle vient, qu'elle brûle un peu, qu'elle vient, dit voilà. Elle crée un nouveau parti. Mec, crée un nouveau parti. Elle dit, bébé, tu es fort. Oui. Elle dit, bébé. Ah non, elle caresse un peu sa tête comme ça. Qu'elle dit, bébé, moi, je sais que tu es fort. Il dit, ah, mais c'est ça. Un bisou. Il est créé parti, non. Eh, bébé, faut créer parti. C'est la première dame. Ou bien, elle crée parti. Voilà, il a créé même. Mais, tu peux laisse ça. Afin que ça vous fait quoi? Afin que ça c'est qui? Laisse! Ça c'est qui? Tu lui donnes l'enveloppe seulement. Le contenu, on prend. On change de camp. Ou bien, bébé? Là, maintenant, le vieux, il a assis maintenant quoi? Parle plus de ses oreilles. Quand il chuchote dans ses oreilles, quoi? Quand il fait bisous sur son cou, quoi? Il dit, bon, il a créé, parti. Rien n'a écrit. C'est la première dame, écrit. Et puis, ils sont allés jusqu'à. Et puis, les tatis aux oreilles, quoi? Là. Quand elle est au salon comme ça, quand les tatis là viennent la voir, elle dit, bon, toi, tu seras première dame. Moi, je suis première dame. Toi, tu es la première ministre. C'est bon, ça te plaît? Oui. On dit, Adou Richard, toi, tu veux être quoi? Bon, d'accord. Tu es ce que tu veux. Toi, tu veux quoi? C'est-à-dire qu'ils sont dans le salon, ils sont en train de se partager les postes. Et puis, tati, Odette Lourignon, tati, bien, qui sait, va venir crier, crier ici, que Hush!
pieds dedans même, si tu veux. C'est comme ça. Abigail est devenu dur. Nous, on est devenu cancre maintenant. Il n'y a rien dans nos têtes. On s'en fout. Créé à l'OTAN. Non, mouvement est créé. Moi, mais si il crée mon mouvement aujourd'hui. Hé! Bon, on va créer mouvement aujourd'hui. Peut-être c'est un foutaise, mais hé! Mouvement de Poclin. Nous, on a créé ça, allez là. Rentrez dans vos inbox. On crée mouvement de Poclin. C'est quoi ça? Chacun son mouvement. Si on a créé nos mouvements de Poclin aujourd'hui, là, nous, on est plus vieux que vos mouvements. Vous avez créé force qui? Vous avez créé force qui? Carrément. Et puis les gars applaudissent. Et là, c'est toi qui as senti que lui est arrivé. Nous, nous, Laurent Gbagbo, il est encore là. Ouais. Ton Laurent Gbagbo, en sinois qui est dans ta main là, c'est pour vous. Profitez de ça. Nous, nous, Laurent Gbagbo, il reste dans nos mémoires que c'était un grand homme. C'était un homme parfait. C'est-à-dire que là, l'idée que nous on avait de Laurent Gbagbo là, c'est figé, c'est bloqué. C'est bloqué. Maintenant, le reste, nouveauté que vous envoyez là, nous on ne connaît plus Laurent Gbagbo dedans. Donc nous on a coupé au cou quoi. Est-ce que vous comprenez? Félix Vitali! On dit quoi, gros bisous ma grande. Nous là, donc nous, pour le sacrifice que nous on a fait auparavant, là, où est le bénéfice? Et puis on a qu'à vous suivre encore de ça là. Hein? C'est que nous, que nos parents sont morts dedans là, où est le bénéfice? Vous dites quoi de ça d'abord? Et puis, vous menacez les gens. Que si les partis politiques, le 17 octobre, qui sait, le vieux est vieux. Peut-être que Chris Gardiade peut prendre, ou peut-être que Alzheimer peut prendre. Peut-être, il y a tout ça là qui se trouve. Parce que créer un parti de ces concentrations, le vieux et le vieux, ça, vous allez l'amener à bout. Bon, où il est arrivé, où il doit vivre le reste de sa vie tranquille, doux, parce que il a derrière lui de lourdes années d'incarcération. Hein? Qui dit déranger mon caleçon là? Moi, lui là, c'est mon caleçon, t'es venu regarder. J'ai un beau caleçon, s'il te plaît. Oui, oui, oui. Vous savez comment? Bertrand, il croit. C'est mon caleçon, toi, tu regardes. Va suivre Babo. Faut laisser le caleçon là. C'est ça, c'est ça, travail que Babo est dedans là, c'est ça. Caleçon seulement, c'est ça, vous êtes derrière lui là, c'est ça. C'est caleçon seulement. Vous là, vous pouvez pas voir femme. C'est-à-dire que quand c'est vous, allez, suivez Babo. C'est caleçon là qui est en train de gâter son affaire là. C'est caleçon, c'est ça qui est en train de gâter. Tchaba, Kekoro, c'est ça qui est en train de gâter problème de Babo là. Sinon Babo là, nous on l'a mis comme ça. On s'est dit c'est le demi-dieu. Caleçon, comme tu le dis là, mon frère. C'est ça qui nous a mis dans ce qu'on est aujourd'hui là. Caleçon, tchaba. C'est dans ça qu'on est là. Voilà où on est arrivé. Tu as vu comment ma caleçon n'est pas bon. C'est pour ça que quand on fait vidéo, là, il faut regarder ce que j'ai dit. Il faut laisser mon caleçon. Sinon, tu vas te perdre. Caleçon fait perdre l'homme. Caleçon a fait même que notre repas ne peut pas dire merci à ses propres parents. Voilà caleçon. Voilà le problème de caleçon là qui est là matin. Mon frère, tu as vu juste. Caleçon là, c'est pas bon. Oui, c'est quand, non? C'est pas bon. Il ne faut pas regarder Kaleçon, il faut regarder ce que j'ai dit là, c'est mieux. Parce que tu veux pour Kaleçon, oui, Kaleçon amène l'homme loin. Voilà où Babo même il s'en va à destination inconnue à cause de regarder Kaleçon. Il faut laisser Kaleçon. Kaleçon là, c'est pas bon. Diaba, c'est pas bon. Il faut laisser. Il faut écouter ce que j'ai dit là. Il dit oui, d'amambla, mais tu n'es pas bon. Il faut laisser Kaleçon. Kaleçon amène l'homme dans le problème. Voilà Babo. Il y a Kaleçon, on est ennemi. Voilà Kaleçon en train de partir avec lui. Il faut regarder Kaleçon matin. Ce que j'ai dit là, faut pas écouter. Il faut venir regarder Kaleçon. Kaleçon amène l'homme au doué. Babo est doué à cause de Kaleçon.
tu prends pas exemple, ou bien, comme tu demandes à un nouveau parti, il y a des questions qui vous intéressent, il faut venir regarder quelles sont. Mais c'est parce que c'est pas le fruit de ses entrailles. J'ai dit, mamie, attends. Hé! Oh, hey! Hush! Attends. Dieu qui sait. Le fruit de ses entrailles. C'est pas le bon fruit de ses entrailles. C'est à cause de celle-là, de la wabou. Donc, c'est comme ça, votre vous parle, c'est comme ça, il est mauvais. Hein? C'est comme ça, il est mauvais. Donc, c'est-à-dire qu'à cause de caresson, il a, même son enfant, son affluit de ses entrailles, il a fait cadeau. Hey! C'est comme ça, il est mauvais. Quitte, nous, caracro, nous, fatigués, là, nous, bancrés, nous, que nos caressons soient matin, mais ils soient au revoir tout. Là. Nous, là, caresson, tu as fait dans la vie. Même si c'est ton violeur qui t'a enceinté, son enfant, là, hein, y a eu pour. Tu ne donnes pas à quelqu'un. Pour Babo, là, il a enlevé ça dans ses entrailles, et puis il a donné à quelqu'un. Hey! Il ne faut plus regarder Caresson, mon frère. Ne regardez hey, les garçons, ne regardez plus Caresson. Il y a problème dans Caresson. Hey! Caresson amène l'homme loué. Caresson, vous y allez, Caresson. Le fruit de tes entrailles, tu fais cadeau. Entends, nous, les pauvres, on se promène la nuit, on nous viole, on compte enceinte, la grossesse, là, tu gardes. Tu l'élèves. Tu pries Dieu qui n'est pas devenu quelqu'un. Pour vous, là, vous mariez. Vous faites enfant, ça sort dans vos entrailles, d'avec l'amour, tout, avec attention, tout, d'enfant grandit, tout, vous donnez à quelqu'un. Vous êtes quoi les gens de personnes? Vous êtes quoi les gens de personnes? Voilà vos modèles. Voilà comment vous êtes mauvais. Regardez par vous-même comment vous êtes. Voilà bien qui c'est en train de dire. SG là, c'est le vieux qui porte rouge là. Et Wavin à soi, quand ils ont laissé caler dans les yeux de le vieux là, quand ils laissaient le reste là, ils ont mis ça dans ses yeux aussi. Ou quoi, c'est comme les enfants là, quand tu as 3-4 enfants à la maison, quand tu es en train de t'occuper d'un enfant là, quand tu vois les 2-3 là, tu rajoutes. Donc quand Nadi maman a fini de mettre caler dans les yeux de le vieux là, quand il était assis, il a regardé, il a dit tu veux aussi, tiens, ils l'ont maquillé aussi là-bas. De lui, elle parle comme ça là. Mais tant que tu as réglé quel problème de quelqu'un, viens qui c'est, et puis Jésus m'a ça, viens en se causer. Il a dit, toi tu as réglé le problème de qui en Côte d'Ivoire? Depuis que tu as commencé à travailler avec Babou, quand vous avez vieilli dans des règles avec Babou, là, vous avez réglé le problème de qui en Côte d'Ivoire? Là, et puis toi tu dis que toi tu n'as pas de problème. Toi tu sais régler le problème. Toi-même tu es un poids pour la nation ivoirienne. Tu es un poids. Ah, mon truc, hein. Là, tu es crié fort, Siki, même. Là, tu es crié fort, Siki. Yeah, on est déjà allé là. Sona qui snack? Ouais. On est déjà allé là. Il n'y a aucune personne qui va nous blaguer. Il n'y a aucune personne. Oui. Nous, on voit vos discours bandés cons. On va de côté. Nous prenons son mort dedans. Si vous ne voulez pas remercier nos parents là, nous, on va de côté. Hé! Hey, on est à vous. Vous dites quoi? On est à vous. Ça vient de commencer. Ça n'est fait que commencer. On va aller ça y est au bout. Au bout que Babou a dit, et puis il ne peut pas aller au bout là. On va terminer le bout là pour lui donner. A tes pépés, à tes bains. C'est forcé. T'as dit bien qui c'est? Ah, attends! T'as dit bien qui c'est? Oui. C'est forcé de vous suivre. Nouvelle air, ancien air que vous avez laissé, on est encore dedans, on n'a pas encore enlevé ancien air là-dessus. Donc vous nous avez sauté, vous voulez faire nouveau air, et puis on est qu'à vous suivre dans nouveau air là. Et parce que vous êtes content, c'est pour ça que vous voulez faire nouveau air.
Vous avez trouvé vos biens, vos gains. C'est pour ça que vous voulez faire nouveau air. Nous autres, là, on est encore. Vous nous avez laissé et puis vous êtes parti chercher nouveau air. Là. On est là-bas. Nous, voilà, assis comme ça. Voilà, nous, on est assis là. On n'a pas encore réglé nos problèmes. On vous suit dans nouveau air pour faire quoi? On va où avec vos nouveaux airs là? On n'a même pas encore compris ancien là. Vous voulez nous envoyer dans nouveau air? Hey! Ancien, non, c'est même pas, on n'a même pas encore sorti dedans. On ne sait même pas comment on va faire pour sortir dedans. Et vous voulez partir à nouveau air? On a compris quoi dans nouveau air? Hey! On dit bien qui c'est? Il dit qu'il est doucement. Allez, 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 allez. Qui t'aide quoi? Qui? Qui? Eh, on m'a la nas nas. Y'a rien de temps. Oh, ma la nation. Complet. C'est la mer de Côte d'Ivoire. Vous étiez en exil. Vous n'avez pas vu. Ah, vous étiez en exil. Vous n'avez pas vu. Oh, ma la nation est restée sur le territoire. Eh? Et puis la brobre a attrapé qu'elle est tout le monde. C'est une rassembleuse. On l'a su ou on l'a su pas? On l'a su. Oh bien. Ah! Donc, ça en train d'affaiblir. Vous avez compris que ça en train d'affaiblir. Hé! Elle va vider ça. Et c'est comment ça y est? Oh, mais la nas-nas, c'est notre mère. Sa douleur, et qu'elle soit quand sa douleur, chacune femme, toi, tu fais règle. Quand tu vois maman Oma, là, toi-même, là, ton ventre, ça brûle un peu. Tu l'aimes ou tu l'aimes pas, ou ça n'a rien à voir. C'est-à-dire quand tu vois Omar comme ça, là, tu prends son morceau de douleur et puis tu mets sur toi. Putain, mais ça te fait mal. Tu vois Omar et puis tu pleures pour elle. Tellement vous avez joie dans elle. Mais elle va vous récupérer un à un. Votre camp de réfugiés, vous partez faire là. Avec vos nouveaux partis là. Votre maison de retraite, vous partez faire là. Comment vous ne suivez pas dedans? Comment va créer un mouvement? Et puis on va suivre le mouvement. Toutes les femmes dignes de Côte d'Ivoire, toutes ces femmes qui se reconnaissent à Maman Simone Veu Gbagbo, on va la suivre. On va la suivre à nos enfants. On va détourner nos maris. Il est prêt pour la nuit. Si on va suivre Maman. Il est prêt pour Maman, nos enfants. Hé! Hey! Allez voir ici. Vous pensez que vous avez humilié cette vieille là, et puis vous allez partir faire vos groupuscules, et puis ça va prendre pour vous. Hey! Il a dit, vous allez vous mettre en rang quoi. Vous êtes à genoux. Oma pardon. Oma tu vois non. C'est Nadi Bambao. Quand le vieux là a gagné l'argent là. Bon, quand on était un peu serré là, tu vois, non, c'est elle qui nous démoisissait. Donc, ça a fait que c'est ça qui a fait qu'on a parlé mal, quoi. Là, il faut d'aller. Oma, pardon. Oma, on va aller faire nos parties là. Non? On va aller faire nos parties là. Tu as fait bénédiction. Non? D'accord, on part. Merci, Oma. Oma, merci, hein. Si c'est pas ça là. Venez ici encore. Qui d'un gros vous avez prié le vieux ça, allez il faut. Hey.
Au père est vieux. Au père, non, il y a une Red Bull, il va boire. Benin, non, ici, il y a un petit jeu plus vieux, il va fumer, il sera en forme. Lui va laisser quoi, quoi. Il est vieux. Il est vieux. Il a plus force. C'est super mal ou bien. Oh, ça l'a affaibli. Mais il est faible. Les gars de son âge là, eux sont au village. Ils sont fatigués. Eux, ils ne font plus partie. Mais eux, voilà. Ils veulent aller à la retraite. Tu sais combien de courage on prend pour faire un nouveau parti. Oh, ça l'a affaibli. Oh, on doit le. Fiche-nous la paix. Allez où tu es là, c'est toi qui comprends le problème de Opa là. Nous on comprend plus son problème, nous on comprend pas. On n'a pas la même vision encore, c'est fini la vie. Ils ont au moins deux générations de nos côtés. Mon père était fan de Gbagbo. Mon père était fan de Gbagbo. Deux générations. Il a failli faire apologie de Gbagbo à ma fille. Après, elle même bon. Comme c'est une. Elle a dit, elle c'est blanc. Deux générations, vous nous avez flocon. C'est fort. Hein? Trois même. Père, ma grand-mère même était dedans aussi. Trois générations. Vous êtes malade. Ça finit pas pour vous là. Non, pour vous là, ça finit pas. Nous, on a gagné quand même le fils dedans. Quittez ici. Si vous n'avez pas devenu riche dans l'affaire de FPI, là, c'est pas maintenant que vous allez devenir riche dans l'affaire de Nyomé là qui est doux. Elle est bonne là. On va quitter dans ça là. Oh, on va quitter dedans. On va quitter dedans même. Il n'a pas rejeté quelqu'un. Mais pourquoi il a fait un communiqué pour dire que la personne n'a pas connu un parti? Toi, tu n'as pas fini de créer parti. Toi, tu es parlé mal aux gens. Qui gonfle le vieux là dans deux jours là même? Nadi, faut arrêter ton travail que tu fais là. C'est un mauvais travail. Hein. Faut arrêter. Ah. Moi, je sais pas ce que vous faites au vieux là, mais arrêtez. Hein. Toi, tu n'as pas encore fini de créer parti. On dit ton parti va être créé après. Vous avez donné date. On ne sait même pas si ça a abouti ou ça n'a pas abouti. On est là comme ça. Vous sortez si vous dites que non, la personne qui va vous suivre, elle sera partie. Et puis vous dites que c'est pour tout le monde. Comment ça, c'est pour tout le monde? C'est quand les Français, vous voulez nous parler. Tant bien qui c'est de FPI. Les gens aussi, les gens les aussi sont dedans. Les FVL sont dedans. Ça pour ça, les gars de RHDP ne sont pas inquiets. Ils comprennent maintenant. Parce que les braconniers, quoi là, pourquoi tu as t'inquiété? Elles sont tout, tout même. Elles sont gawa. Mais pourquoi vous ne vous entendez pas? Tandis bien qui c'est? Pourquoi tu t'entends pas? Moi, c'est mon épouse Bobo. Elle t'a fait quoi? Elle est son propre mari. Toi, tu ne savais même pas qu'ils allaient se marier. Ah, allez, ils se sont attrapés, ils se sont fait des enfants, ils se sont mariés. Toi, ils ont commencé à te corrompre. La petite fille est venue te corrompre. Toi, tu as fait parti pris. Toi, tu reproches comme ma vieille mère. C'est son mot. Bon, toi-même, je comprends. Bon, toi, tu n'as jamais été dans le foyer. Donc, moi, je peux comprendre. Mais les foyers, bande de cons, que toi, tu as fait là. Bon, on ne sait pas. Alors, on ne sait pas. Sinon, toi, maman, tu es là, tu es là. Toi, tu es la vieille mère. Toi, tu devais donner conseil à Nadi Bamba.
Quand elle est venue repérer Ronald Dimamba, à soi, à du console, votre maison de retraite, là, où tu es venu repérer là-bas. Hé! Hey! On n'est pas prêt pour vous. On m'a prêt. Allez, vous comprenez ça? On m'a prêt. Ça veut dire que le seul kata que Gbagbo peut faire, et puis on va accepter de le suivre encore, c'est de s'agenouiller devant Maman Simone Yves Gbagbo. Tu lui dis pardon. Tu dis pardon aux Ivoiriens. Il dit franchement, merci. Vous avez fait un travail colossal. Merci. Vous aviez été là quand ce n'était pas bon pour moi. Merci. Je suis désolé pour ceux qui ont perdu leurs parents dans cette affaire. Je suis désolé pour tous ceux qui périssent en prison aujourd'hui en mon nom. Je suis désolé. Merci aux Ivoiriens. I'm sorry, I'm really sorry. Dis des bases là. Dis des bases là. Si c'est les braquoyas, les bandits, quand vous envoyez des qui s'est crié sur nous ici là, eh? Même le genou est dedans. Ah, je ne peux pas. Oh, ah, t'es bon. Aïe. Mais, la dernière sont partis à Guinée, c'est les Ivoiriens. Tant que c'est bon, nous, on roule à eux. Il n'y a pas un gouvernement qui va venir en Côte d'Ivoire et puis ça ne va pas nous arranger et puis nous, on va le suivre encore. Ah, c'est fini. Sorodium, même quand on reproche tout à Sorodium, là, si aujourd'hui Sorodium vient et qu'il dirige la Côte d'Ivoire comme nous, on le souhaite, là, on va suivre Sorodium. Est-ce que tu comprends? Est-ce que vous comprenez? Bon, il n'en est pas encore là. Donc, on verra. Il a donné son instrument de lutte depuis le début, Oani, commençant par la fin des ans, jusqu'à ce qu'on en arrive ici. Il a donné. C'est plus idée. De régler ces petits palabres là et vous voulez sauter là-dessus, c'est ça la réalité. Ces petits palabres dont vous en parlez, pourquoi vous réglez pas ces petits palabres là et vous voulez éviter, vous voulez pousser ces petits palabres là pour aller en créer d'autres? Parce que même pas, c'est-à-dire que même le nouveau parti que vous voulez créer, qui n'est même pas encore créé, vous menacez déjà les gens. Donc à quoi on doit s'attendre dans le futur? À quoi on doit s'attendre dans le futur? Pour l'instant, là, c'est Maman Simone Yves Gbagbo que nous on a vu. C'est elle qui est venue pleurer à nos chevets. Malgré qu'elle-même, là, vous l'avez combattue dans l'ombre. Malgré que vous-même, là, vous étiez de collivalence avec Oudramane. Pourquoi on la séquestre à Abidjan, là? Elle a géré ça sur elle. Elle est sortie, elle a oublié sa douleur tellement elle s'est sentie coupable du malheur des Ivoiriens. Elle a laissé sa douleur de côté et puis elle s'est mise devant pour aller voir, pour aller rencontrer les Ivoiriens. Est-ce que vous comprenez ça? Elle a laissé son orgueil de côté. Elle a laissé elle-même sa propre douleur de côté et puis elle est allée vers les Ivoiriens. C'est elle-là, on n'a qu'à le laisser. Parce que vous avez trouvé Nadi Baba qui a gros cuit. Vous êtes content. On met calé dans vos yeux. Donc nous là, vous n'êtes pas encore venu faire nos yako. On est qu'à vous suivre coup. Parce que vous mettez calé. La vie des gens. La vie des gens. C'est forcé. Ça non, c'est pour ça qu'il faut aller voir Maman Simone Yves Gbagbo, parce qu'elle était le loup bras de FPI aussi. C'est pour ça qu'il faut aller trouver un terrain d'entente avec Affine Dessin. Ces petits palabres dont vous parlez là, on peut les régler. C'est des êtres humains. Vous étiez hier ensemble, non? Donc on peut trouver une solution, un terrain d'entente. Il y a eu trop de morts. Non, vous laissez ça
et vous voulez créer un autre parti, et malgré que le parti même que vous êtes en train de créer n'est même pas encore créé, vous menacez les gens ici. Mais vous servez à quoi, les petits vieux? Vous avez besoin de calmant? Parce qu'à votre âge, on vous donne des cachets pour vous calmer. Quand vous êtes un peu trop bruyant, on vous donne des cachets. Ou bien on vous donne, on vous met une petite morphine. Ou bien on vous fait fumer. En Hollande, on leur fait fumer un peu de chiche, un peu de hachiche. Et il est quoi? Le vieux, et puis il est content. Vous avez besoin de ça? Vous allez gouverner qui? Vous allez gouverner qui? Vous voulez gouverner qui? Tous c'est les petits vieux qui sont restés là quand vous allez gouverner, ou bien vous voulez gouverner la jeunesse? Parce que la jeunesse, on n'est pas prêt pour vous. Vous voulez gouverner qui? Vous avez fait un groupuscule de maisons de retraite, vous tous là-bas. Là. Vous voulez gouverner qui? Qui? Qui n'a pas d'ambition qui va vous suivre? Quel jeune qui n'a pas d'ambition qui va vous suivre à nouveau encore pour aller mourir, pour qu'on soit ingrat sur son cadavre? Qui va vous suivre? Blaise Goudé même, qui est venu, qui a sacrifié toute sa vie pour vous. Vous l'avez oublié ici? Il est là? Vous l'avez oublié? Vous avez fait un petit clan. Faut pas, il va rentrer. Tant que vous n'avez pas encore fait vos partis politiques là, faut pas, il va rentrer. Il faut qu'on fasse vos partis politiques. Il faut que vous fassiez vos partis politiques. Vous êtes parti dire à Ouattara que, oh, si vous laissez Gbappé rentrer là, oh, il va venir vous emmerder, il va nous emmerder. Donc laissez. Quand on va finir de faire nos partis politiques là, quand tout est prêt là, là quand il vient, il n'a rien à dire. Comme ça, on l'isole. Mais c'est là que nous allons vous montrer qu'il y a piment dans la sauce. Trop de viande dans la sauce là. Ça ne dérange pas. Est-ce que vous comprenez? C'est là que vous allez comprendre que la force du frappe, hein, de frappe, du génie, n'est pas encore finie. Charles Blaise Goudé n'a pas encore dit son dernier mot. Charles Blaise Goudé n'a pas encore dit son dernier mot. Il va arriver à Abidjan et il va vous parler. C'est lui qui vous connaît. Où? Il était avec vous, non? C'est lui qui vous connaît. Comment se fait-il que vous, les gens du FPI, tous vos dugas, vous les avez écartés tous? Vous les traitez de comment on appelle, d'aigris. Vous les traitez de traite. Comment vous faites? Vous faites comment? Tous les dugas du FPI sont partis. Vous faites comment? Vous avez écarté les plus durs. Parce que vous avez un petit clan. Oh, fichez-moi la paix ici, vous là. Parce que vous avez un petit clan, vous voulez préserver ce petit clan-là. Et vous avez oublié que la jeunesse ivoirienne vous a attendu. Vous étiez l'espoir de la jeunesse ivoirienne. Vous êtes venu, vous êtes incapable même. L'orgueil a pris le dessus. L'orgueil a pris le dessus. On fait un parti politique comme un autre? Non. On ne fait pas, on ne crée pas un parti politique contre un autre parti politique. Non. On crée son parti politique parce qu'on a envie de corriger les failles que l'autre parti politique n'a pas pu réaliser. On ne crée pas un parti politique sous fond de revanche, sous fond de vous là, si vous n'êtes pas vous là, c'est que vous êtes contre nous. C'est quoi? C'est quoi? C'est quoi votre souci? Est-ce qu'on crée un parti comme ça? On crée un parti parce qu'on a des idées à défendre. On crée un parti parce qu'on a... On a envie de proposer autre chose, mais on ne crée pas un parti et puis on indexe l'autre. Oui, toi là, vos groupes là, si on fait pour nous là, vous n'avez même pas encore fait groupe. Il n'y a pas encore parti. Il n'y en a pas encore. Vous avez juste annoncé, il n'y en a pas encore. Ceux qui ont leur parti, qui ont leur groupe, qui sont déjà nés, qui sont déjà en marche, qui ont déjà leurs membres là, c'est eux que vous allez menacer sur le nom de Gbagbo. Par rapport à quoi? Par rapport à quoi? Et pourquoi? Tu as dit le rouillon, tu n'es pas rassasié. Si tu n'es pas devenu riche derrière Gbagbo, si tu n'es pas devenu riche avec Ouattara, si tu n'es pas devenu riche avec Ambak, il faut laisser. Il faut laisser. Laisse. C'est comme ça que vous faites, et puis quand vos propres gens se retournent contre vous, vous trouvez qu'ils sont mauvais. Ce que vous êtes en train de faire à Mbappé là, le jour où va ouvrir sa bouille sur vous là, ne le traitez pas de mauvais, hein. Regardez ce que vous êtes en train de le faire subir.
Regardez ce que... C'est un père de famille aussi. Il a sa femme, il a ses enfants. Il a envie de retourner aussi aux côtés de ses siens. Regardez comment vous vous comportez. Celui qui a bataillé pour vous, toi, tu es au delà où tu étais. On aurait pu te prendre pour t'amener à ce pays ici. On aurait pu prendre Nadi Baba pour accompagner lui à ce pays ici. Mais c'est Gbappé, on a pris enfant des gens. C'est enfant de quelqu'un, c'est le mari de quelqu'un. Vous prenez, vous le mettez ici et vous faites comme s'il n'existe plus. Pourtant, il a combattu pour vous. Simone Evé Gbagbo, qui a saigné pour vous, on l'a bastonné en votre nom. Vous l'avez libéré, vous l'avez abandonné. Vous faites des clans pour l'écarter. Vous êtes comment? Qui va vous suivre dans ce fond-là? Dans ce fond sale-là? Qui va vous suivre dedans? Regardez comment vous prestez. Un parti qui n'est même pas encore créé. Regardez comment vous menacez tout le monde autour de vous. Et vous croyez que on va vous suivre encore? Pourquoi? Pourquoi? Je comprends pourquoi Afingé s'en tient tête à Gbagbo. Je comprends pourquoi. Il doit avoir une raison. C'est pas. Il doit avoir justement une raison. C'est pas possible. Ça peut pas se faire cadeau comme ça. Il doit avoir une raison. C'est à cause de vos comportements d'ingrats, de méchants, de profiteurs. Ça veut dire que vous prenez les gens, vous profitez d'eux et puis vous les lâchez. Vous profitez d'eux quand vous avez fini, vous les lâchez. Mais vous reprochez quoi à Ouattara? C'est pareil. Ouattara, il a vu sur vous, sûrement. Il a vu sur vous. Il a vu sur vous. Nous, on est encore en train de pleurer nos parents. On est encore en train de pleurer nos parents. On n'a pas encore fini d'essuyer nos lames. Il y a des... Nous, comme ça, on ne peut plus arriver à Abidjan. On est en train de trouver des... On est en train de réfléchir maintenant. Comment on va faire? Dans quelle posture on va se mettre pour donner pardon? On va dire pourquoi on rentre à Abidjan. C'est dans ça, là, nous, on n'a qu'à vous suivre dans vos nouveaux partis. Quand vous, on vous a libéré, là, nous, on a pleuré pour vous qu'on vous libère. On vous a libéré. Vous avez fait sauf qui peut. Chacun sait. Vous êtes partis dans vos coins. Vous nous avez laissés sur la route. Et c'est nous les mêmes encore. On n'a qu'à vous suivre dans vos nouveaux partis. Témoin est mis dedans. Ouais. Donc, vous savez que c'est deux mains qui se lavent. Ouais, c'est ça. Des conseils brandés, combra, croya, bavardage inutile. Vous savez que c'est deux mains qui se lavent. Et puis, Simone Evé Gbagbo, même Afingessa, on peut tout dire de lui. C'est vrai, on peut l'insulter tout et tout. Je comprends. Mais je suis sûr que Afingessa a une bonne raison. C'est pas possible parce qu'il a travaillé avec lui toutes ces années. Il doit avoir une bonne raison quelque part. Il doit y en avoir. Parce que regardez comment vous vous comportez à nous autres. Donc j'imagine. Pourquoi est-ce que Afingessa tient tête tant? J'imagine. Peut-être que vous lui devez des choses. Comme façon vous devez des choses à la Côte d'Ivoire, aux Ivoiriens. C'est comme ça peut-être que vous devez des choses à Afingessa. C'est pour ça qu'il tient tête. C'est comme ça vous êtes. C'est comme ça vous êtes. On a vu vos vrais visages. Oui. Maman Simone Evé Gbagbo est trop honnête pour vous. Vous êtes des malhonnêtes. Charles Blé Goudé est trop honnête pour vous. Vous êtes des malhonnêtes. Vous avez trouvé Nadi Bamba. Vous vous collaborez ensemble parce que chacun a trouvé son quelqu'un. Vous vous suivez. Mais ce n'est pas en Côte d'Ivoire. Qu'est-ce que vous êtes dedans? Ça va se passer. Gbagbo, même, il reste combien d'années pour mourir même? Et puis, vous pensez qu'il va aller faire partie et puis vous allez courir. Il ne lui donne même pas 10 ans. Gbagbo, il ne lui donne même pas 10 ans. Ce n'est pas moi, c'est Dieu, c'est la nature. Il est vieux. C'est pas moi. C'est pas parce qu'il veut qu'il n'ait qu'à mourir. Il est vieux. Nous, nos parents, là, quand ils avaient son âge, là, au gâteau. Donc, on a, la loi de la nature veut que quand Gbagbo qui est là comme ça, il ne peut pas encore rester 10 ans. Donc, égard. Donc, baiser nouveau parti créé. Qui va vous suivre dedans? Bon. On a fini, il est parti. Je souhaite. Moi, je suis déjà venu ici. C'était pas rien. Mais là-bas, j'ai répété la même chose. Pour que vous soyez d'accord. Apaiser les cœurs. Laurent Gbagbo, pour lequel, certainement, nous avions des façons différentes de voir au soleil d'eau. Il est là aujourd'hui.
peut plus encaisser à faire des babous. On a encaissé pendant 10 ans. Je pense que oh, c'est bon. Nous, on ne peut plus encaisser ça. Tanti bien qui sait, nous, on ne peut plus encaisser. Toi, tu peux encaisser parce que Babou est venu, tu es dans ses rayons. Il y a un dessin, il y a un tu peux crier. Nous autres, d'un côté, on est, je regarde, on nous voilà. Et bravo, ma hi, bon, on a voyé, nous voilà. Claque. Il n'y a pas papier sur nous, on est là. On ne sait pas si on est blanc ou bien on est noir, on est là. Regardez vous-même, les gens de FPI. Regardez comment vous vous comportez. Regardez. Et ça vous étonne que il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup de bonnes personnes au FPI qui ont décidé de partir ailleurs. Mais regardez comment vous vous comportez, les frères. Regardez. Égoïste, égocentriste, narcissique. Regardez comment vous vous comportez. Vous êtes, vous obligez, toi, Tanti Biakissé, tu obliges les Ivoiriens à aller adhérer, comment on appelle, au nouveau parti qui n'est même pas encore créé de Gbagbo. Et quelle est la garantie que Gbagbo nous a donnée? Quelle est la garantie? Gbagbo, on peut l'aimer, tout le monde l'aime, bien sûr. Moi-même, je l'aime, j'aime Gbagbo, j'adore Gbagbo. Mais je dis qu'il ne faut plus qu'il fasse la politique, il n'est qu'à s'asseoir, il n'est qu'à être un conseiller, c'est tout. C'est tout. Il n'est qu'à s'asseoir, il va être conseiller. On vieillit. Dans tout ce qu'on fait là, il y a pause, on vieillit. Ok? On vieillit. À son âge là, il n'est qu'à prendre un petit. Comme il ne veut pas de Mbappé là. Sa femme n'a dit, Baba, vos groupes là, vous ne voulez pas de Mbappé, il n'y a pas de problème. Laissez-le là-bas. Lui, c'est un orphelin. On va trouver une solution pour rentrer. On va aller voir Guadra même, on va rentrer. Ce n'est pas grave. Mais vous là! Je ne sais pas. Mais bon, ça vient. Continuez dans ce que vous êtes là. Continuez. Continuez. Vous partez droit dans le mur. Mais la Côte d'Ivoire vous doit quoi même? Tandis bien que les Ivoiriens te doivent quoi? C'est vous qui devez tout à la Côte d'Ivoire. C'est vous qui nous devez tout. Vous nous devez des explications. Vous nous devez des explications. Est-ce que vous comprenez ça? Vous doit rien. Il n'y a aucun Ivoirien qui vous doit quelque chose. Vous nous devez des explications. Pourquoi est-ce qu'ils ont tué nos parents? Pourquoi est-ce que vous rentrez après tant de difficultés comme ça là? On a couru derrière vous, on a pleuré derrière vous. Pourquoi est-ce que vous ne nous remerciez pas au moins? Pourquoi vous ne reconnaissez pas que vous n'êtes pas seul dans le combat et qu'il y avait du monde derrière vous? Mais cette ingratitude, vous n'avez pas fini de régler ça. Vous voulez obliger les gens à rentrer dans vos partis et vous interdisez carrément leur parti qui n'est même pas encore été créé. Des groupes qui sont déjà créés, de dissoudre, de se fondre dans vos futurs partis. Mais vous pensez que vous êtes dans le club des petits ou bien? Vous pensez que nous, on est obligés, quoi, en fait. Nous, on est obligés, on est là. C'est-à-dire qu'on n'a pas de projet, on n'a pas d'ambition. Nous, on est là, on attend que voter. Gbagbo va venir, on va le voter. Voilà. Nous, on n'a rien d'autre à faire. Nous sommes des pions de vote. Quand on nous dit « Hups !» on les sue. Quand on dit « Hups !» on sue. C'est pas comme ça. Réveillez-vous. Maman Odette Lourignon, toi et puis vos vieilles les carapaces là, vous là, vous êtes venus en exil là, on vous payait. La majorité de vos groupes là, on vous payait. Ouattara vous payait. Mais vous vous cachez pour envoyer les gens pour les insulter. Ils vous payaient. En bac, vous payaient. En bac, toi, maman Odette Lourignon. Attends, je vais te montrer comment tu léchais les bottes. Vieille folle. T'as venu crier fort, sinon. Non, t'as fait quoi? Ah, attends, je vais vous montrer quelque chose d'abord. Regardez comment les gens avaient soif de voir Gbagbo. Regardez comment les gens avaient soif de voir Gbagbo. Regardez comment les gens étaient ivres de voir Gbagbo. Gbagbo est venu comment? Gbagbo est venu comment? Ça ne vous inquiète pas.
Ça ne vous pose pas de questions. Ça ne vous dit pas, il faut qu'on arrange cette image-là. Non, hein? Vous êtes dedans. Dans vos conneries, vous êtes dedans. Vous êtes dedans. Hein? Ouais, il y a une. J'avais la photo où elle était en train de... Voilà. Ça, c'est qui? C'est pas toi qui étais en train de lécher les mains de en bas ici, là. Et c'est vous, là. Vous êtes les premiers à dire que les autres ont trahi la lutte. Pourtant, toi, tes enfants mangeaient avec Ouattara. Quand tu te caches, tu viens, tu parles mal de Ouattara. Tu te caches, tu parles mal de Ouattara. Pourtant, ils vous donnaient à manger en cachette. Ton enfant, pendant que nous, on était en exil, on est en exil ici, là, ton enfant travaille sous le gouvernement de Draman. Ou bien? Pourtant, nous, on nous a interdit de rentrer dans nos pays. Vous, là, vous qui êtes les donneurs de leçons, les propriétaires de Gbagbo, là, vous étiez en exil, on vous payait. On nourrissait votre famille. Pendant que des Ivoiriens étaient en exil, leurs parents mouraient, on les enterrait comme des chiens. Oui ou non? Les Ivoiriens, aujourd'hui, là, quand ton parent, si tu n'es pas dans RHDP et que tu t'appelles Kofi ou bien tu t'appelles je ne sais pas quoi, là, tu n'as pas de travail. Mais c'est dans votre nom que tout cela s'est arrivé. C'est dans votre nom que tout cela s'est arrivé. Vous dites quoi de ça? Les loupillons du FPI, là, vous les écartez dans vos façons de faire. Vous les torpillez dans vos façons de faire. Vous avez écarté la digne fille de la Côte d'Ivoire, la déesse de la Côte d'Ivoire, Simone Evek Babou, vous l'avez humiliée. Vous continuez de l'humilier. Et vous croyez que ça, là, cette sentence-là, non seulement ça, vous avez tué nos parents. Vous n'êtes pas sorti ici pour vous excuser ou pour dire Yako. Vous avez humilié pour mettre dessus. Et puis vous voulez créer parti. Et puis nous, les bobos, on est quand vous suivre. Ouattara va gagner 2020. Il va prendre 4e mandat. Ça ne chauffe pas. Attends. On a déjà nos parties. Hein? C'est vraiment à vous faire. Eh, ya sambe. Arrête, on a fini avec vous. Carrément. Donc nous, là, vous nous avez loué. On a qu'à vous suivre, quoi. Vous avez fait louage, location des gens. On a qu'à vous suivre. Carrément. Vous avez écarté Simone Gbagbo. Elle se retrouve seule. Vous la torpillez. Toi, Odette d'Ognon, tu la torpilles. Ton fils et puis ta fille, ils travaillent dans le gouvernement de Ouattara. Ils sont en Côte d'Ivoire. Quand toi, tu étais. Quand les gens. Ça dit qu'il y a des gens, on les attrape à l'aéroport et puis on les amène en prison. Là. Toi, tu venais feu vert. Toi, tu manges dans la mer d'Ambac. C'est toi qui sors ici. Tu dis que où les gens sont fait nos traites. Oh, ils sont traites. Pourtant, tu profites sur le gouvernement. Qui est traite? Qu'est-ce que vous appelez traite finalement? Quand les gens sont avec vous, loyal, cohérent, correct, ça vous n'aimez pas. Mais je vous dis que tant que vous n'avez pas fait rentrer Mbappé, vous n'avez pas demandé pardon à maman Simone Evek Babou, vous là, maison de retraite, de toute façon, vous êtes tous vieux. Maison de retraite, nous, maman lourde, on va vous envoyer des couches pour changer vos couches. Maison de retraite, vous n'allez gouverner personne encore. On a gardé de bonnes mémoires de Gbagbo, ça s'arrête là. On a de très belles, on a de beaux souvenirs de Gbagbo, ça s'arrête là. Si Gbagbo veut, ça veut dire que s'il veut retrouver le respect des Ivoiriens encore là, il y a deux choses qu'il doit faire. S'il ne veut pas faire ça par orgueil, parce que vous, autour, vous ne voulez pas, là, vous partez droit dans le mur. C'est simple. À bon entendeur, salut. Bonne journée à vous. Hein. C'était Gessan Lounazé, Christelle. On t'a mis avec maman. Allez-y dire à Tanti Odette Lourignon qu'il ne faut pas va crier fort ici. Si Gbagbo même sait ce travail qu'elle a fait derrière lui, là, il va la chasser. Elle mangeait avec un bac.
en banque lui donnait l'argent de Côte d'Ivoire là, pendant que les gens souffraient là. Ses enfants travaillaient en Côte d'Ivoire dans le gouvernement de Ouattara là. Quand Gbagbo était en prison, quand les gens payaient leur transport pour venir à la haie ici là, les enfants de l'Oblion là, ils travaillaient dans le gouvernement de Ouattara. Ils n'avaient pas faim. Quand nous on criait ici, Ouattara, mauvais, mauvais. Quand les dettes de l'Oblion payaient les allaient des athées pour insulter maman Simone et Yves Gbagbo là. Et c'est l'argent de la Côte d'Ivoire que Ouattara leur donnait en cachette là. C'est ça, eux, ils nourrissaient les gens avec. C'est pour ça que les gens de LHDP n'ont aucun sentiment pour nous. Je comprends maintenant. Je comprends maintenant. Donc c'est vous qui nous avez vendu dans la main des Dramaniké. Ah bon? C'est vous là. Vous nous avez vendu dans la main des Dramaniké. Kakre Soye. Mais ça ne va plus se répéter. Oh. Ça ne va plus se répéter. Cette erreur, on va la faire une fois. Cette erreur, on l'a fait, on a perdu trop de nos parents. Donc, on ne peut pas la refaire. Ce n'est pas possible. On ne peut pas la refaire. Cette même erreur-là, on ne peut pas la refaire. Abada, on ne peut pas la refaire. On ne peut pas la refaire. Égorger des gendarmes. Il y a encore des gendarmes qui sont encore en prison. Les enfants sont en balade. Ils sont en train de faire du tourisme dans leur propre pays. Vous n'avez rien dit encore par rapport à ça. Les enfants sont déscolarisés. Eux, ils sont là-bas comme ça. Nous, on est ici. Nos parents meurent. On ne peut même pas les enterrer. On peut même pas. Souvent même, tu n'as même pas de l'argent pour envoyer pour qu'on enterre ton parent. Tout là de ça, là, tu gères ça ici. À cause des noms des Gbagbo. Il est sorti. Ces gens-là, au lieu qu'il va ouvrir sa bouche avec ses yeux décalés là, pour dire aux gens, oh, Kabo, oh, tu es assez à la fois, yi, Kaya. Non, hein? Vous l'avez pris. Couillou, 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 vous l'avez caché, vous êtes là-bas, vous, et puis vous, Nadi Baba, vous êtes en train de me caler dans ses yeux. Il dit merci à Nadi Baba, dis 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 merci à Nadi Baba, et dis merci à Nadi Baba. Il a fait chanson à ça. Dis merci à Nadi Baba, et dis merci à Nadi Baba, et merci à Nadi Baba. Là, les Ivoiriens, ils sont pas pour rien. Ils sont pas pour rien. Ah, vous suivez dans ça là encore. Autant pire là-bas. Bon, je vous ai laissé. Bonne journée, hein. T'as que ça nous a dit, Christelle, toujours. Venez prendre vos cartes de COGEP, on va avancer. On va dire, venez prendre vos cartes de COGEP. Faut pas, on va perdre le temps. COGEP, là, ça fait 20 ans que ça a été créé. C'est encore même plus vieux. Il peut accoucher même Nyomi Elek Yedou de Opa qui arrive là. Donc, venez prendre vos cartes, on va avancer. Ah, les tabataba, les causeries. J'ai sans nous a dit, Christelle, affiche de Saint-Franc de Progny précisément. Ciao, ciao.